Bonjour, donc Jean-Luc Rabourg, je suis un industriel de Roanne, je dirige trois sociétés. Moi je viens de Mâcon, je viens au nord de Lyon. Je viens aussi de Mâcon, chef d'entreprise. Je suis de la région Rhône-Alpes, donc je viens d'Aubenas avec ma sœur Floris et puis ma maman. Je suis un pur sang stéphanois, né à Saint-Étienne, j'ai fait mes études à Saint-Étienne. Nous on vient de Clermont-Ferrand. On a fait 1h30 de route. De ce meeting, eh bien, on attend de voir un Nicolas Sarkozy avec des solutions, avec une énergie, celle que nous ne retrouvons pas aujourd'hui chez le président actuel. Nicolas Sarkozy, moi, ça fait 2 ans que je ne l'ai pas vu. J'ai fait tous les meetings de la présidentielle, je dis bien tous les meetings sans exception. J'ai traversé la France pour le voir. Et aujourd'hui, plus on avance dans le temps, plus je me rends compte que c'est quelqu'un qui manque vraiment pour la France. Et aujourd'hui, la personne qui est capable de nous redonner de l'élan et nous redonner du souffle, c'est Nicolas. Donc c'est pour cette raison qu'on est là ce soir, pour le soutenir massivement et voilà, et surtout pour nous donner une grosse bouffée d'oxygène, parce qu'aujourd'hui, on est étouffé par le gouvernement qui est en place, donc on a vraiment besoin de lui. Je suis très très jeune militant du parti, mais parce que je viens de prendre ma carte, mais je suis convaincu qu'il n'y a que lui qui est capable de redonner envie à ce pays, aux gens de consommer et d'être fiers de leur pays. Le seul personnage politique qui peut, tant en France qu'à l'étranger, refaire briller le blason de la France, c'est M. Sarkozy. Il a l'expérience en tant que ministre, il a eu une expérience en tant que président de la République, il a une aura internationale qui est indiscutable. Moi, qui suis chef d'entreprise, je rencontre énormément de difficultés au niveau de la réglementation, au niveau des normes, au niveau de tout un tas de barrières finalement qui se mettent en permanence autour de nous, contre nous, et qui nous empêche d'avancer, empêcher d'avoir de l'idée, empêcher de développer nos envies, effectivement on attend de Nicolas Sarkozy de vraiment arriver à nous aider, à nous accompagner dans ce combat quotidien qui est pour nous d'être un chef d'entreprise, parce que c'est difficile d'avoir des gens autour de nous qui y croient encore. Ce qu'on attend aujourd'hui de Nicolas Sarkozy, notamment les jeunes de Lyon qui se sont réunis aujourd'hui ici à Saint-Étienne, c'est un discours rassembleur pour remettre en place un appareil politique qui fonctionne, et puis aussi pour retrouver un leader, puis retrouver Nicolas Sarkozy qui nous a tant manqué pendant 2 ans. Nous, ce qu'on aimerait, c'est une nouvelle famille politique dans laquelle chacun ait son mot à dire, chaque militant ait son mot à dire, que les informations viennent du bas et remontent en haut, plutôt que ce qu'on a fait, on a fait l'inverse pendant toutes ces dernières années, et on voit que ça ne fonctionne pas. Nicolas Sarkozy est celui qui redonnera la parole aux militants. C'est effectivement un espoir pour remettre sur pied une machine qui sera capable de gagner. Il aurait très bien pu ne pas revenir. S'il l'a fait, c'est vraiment par forte conviction et qu'il s'est vraiment rendu compte qu'on avait vraiment besoin de lui. Donc on le remercie vraiment aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on est encore là aujourd'hui.